Ce doit être là, la maison du professeur Houbier. C'est franchement sinistre. J'avais quitté Paris et je n'avais pas vu Nico depuis près de 6 mois. Je voulais faire une petite fête pour nos retrouvailles, mais Nico avait d'autres plans. Un rendez-vous avec un archéologue. Une histoire de Pierre Maya sur laquelle elle était tombée en faisant des recherches pour un article. Le type qui nous ouvre n'a pas vraiment l'air d'un archéologue. Tout d'un coup, j'ai un mauvais pressentiment. Salut à tous, c'est Mugiwara pour une vidéo rétro gaming sur les boucliers de Quetzalcoatl version remasterisée. Alors ce petit jeu, les boucliers de Quetzalcoatl, alors c'est un jeu qui était sorti en 1997 sur PC et PlayStation, qui a été développé par Revolution Software si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est un petit point and click que j'avais envie de vous présenter. Alors déjà on va se défaire cette petite araignée qui nous menace alors que nous on est attaché sur cette fameuse chaise comme vous avez pu le voir lors de l'introduction. Hop, voilà, hop, plus d'araignée. Mais c'était une question de survie. Bon, évidemment, je suis toujours attaché à une chaise dans une maison en flammes et sans aucun moyen de m'échapper. Donc voilà, alors on va déjà se libérer de la chaise. Voilà. En un clin d'œil, notre héros s'est libéré de ses liens. Bon, je dois m'occuper de cet incendie maintenant. Donc voilà, alors on va tout de suite commencer par les nouveautés, puisque comme son nom l'indique, c'est une version remasterisée des boucliers de Quetzalcoatl qui était sorti en 1997. Donc pour commencer les nouveautés, alors déjà l'interface, ici on a les options si je me trompe pas. Non, tiens, je n'ai pas encore l'icône. On va déjà ramasser ça, histoire de vous expliquer plus convenablement. La pointe de cette fléchette est plus acérée que le dard d'un frelon, mais je la prends quand même. Voilà. Maintenant, j'ai une nouvelle icône ici. En fait, c'est ici qu'on a l'inventaire. Donc, tout simplement. Donc, on a besoin que de ça normalement. Alors moi, ce que je trouve dommage dans cette version remasterisée, déjà pour commencer par le, pour moi, le plus gros défaut du jeu, alors c'est que en allant ici, non, ce n'est pas ici. Alors ici, vous pouvez, en cliquant par exemple là, astuce quand on est bloqué, l'incendie m'empêche de quitter la pièce que dois-je faire. Donc voilà, alors on se dit putain et tout, on cherche un peu, on trouve pas, donc il suffit juste de cliquer. Cliquez sur astuce 1, astuce 2 et astuce 3, parce qu'il y a souvent 3 astuces voire plus ou moins. Et au final ça nous dévoile complètement la solution, donc ça gâche un peu le plaisir, parce que le plaisir sur ce genre de jeu justement c'est de chercher. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ce sac en toile contient du rouge à lèvres et une lettre. Et il y a aussi une culotte en nylon avec un énorme cœur devant. J'ai l'impression que les goûts de Nico ont sacrément changé pendant mon absence. Donc voilà, donc c'est dommage qu'il y ait cette aide, parce que ça incite trop le joueur à devoir s'y rendre. C'est de manière un peu trop facile, et en plus j'ai essayé voir une fois sur une énigme,
Et non, c'est vraiment abusé, ça dévoile vraiment toute la solution. Donc voilà, alors deuxième nouveauté, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui connaissent le jeu d'origine, c'est le petit cadre avec la tête de notre ami Georges Sobart qui est juste là sous vos yeux. Voilà, notre ami Georges. Et bon, pourquoi pas ces petits cadres, Tiens, voilà, comme la là. tequila. Bon, j'aime pas trop vraiment le dessin. Alors c'est un dessinateur Normalement, de chez moi, comics pas d'alcool fort, mais qui les a aujourd'hui, fait. rien de normal. Alors c'est le dessinateur de... Alors si je dis pas Tiens, de bois, bêtises, fais. The Avenger, il me semble. Non seulement cette tequila a un goût Mais atroce, non, je mais trouve en ça colle plus pas j'ai du tout. failli avaler une cuillère de terre. Ils auraient dû en fait garder les têtes qu'il y avait dans les scènes cinématiques. Je trouve ça aurait été mieux. J'en ai assez bu comme ça. Oui, donc il a bu, il a recraché. Est-ce que... Il y a un petit Il y trou avait un noir sur la verre table. dedans. Ça, c'est gore. C'est le verre de la bouteille de tequila. Voilà, on va inspecter un petit peu tout le reste qui... Le de la tiroir pièce. contient un petit pot décoré à la main. Voilà. Donc, les chevaliers de Baphomet. Alors, donc là, c'est le deuxième épisode. En fait, j'ai voulu faire une vidéo du premier, mais j'ai eu un problème lors de l'installation. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo du 2 tout simplement. Je ferai le 1 plus tard. Donc là c'est la deuxième aventure de notre ami Georges Tobart qui est juste sous vos yeux donc. Et ce jeune américain en fait, car il est américain, est juste à la base un touriste qui s'est retrouvé embarqué dans une folle histoire lors du premier épisode d'un attentat avec des Templiers, tout ça. C'était une histoire assez de fou. Et donc là, il revient voir sa compagne, entre guillemets, Nicole Collard, qui est une journaliste française, et qui, hop, et qui donc là s'est faite kidnapper, comme vous avez pu le voir lors de la vidéo. Et donc notre ami Georges va essayer justement de Ce nom est résoudre fermé à pourquoi, clé. comment, tout ça. Et ça va l'amener dans des histoires, ça va l'amener à Marseille, dans des musées, en Amérique latine, avec la mythologie maya, tout ça. Et c'est vraiment un scénario exceptionnel. Franchement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu quand j'étais gamin. Ce nom est fermé à Et clé. j'ai eu l'occasion de le refaire plusieurs fois. De le refaire plusieurs fois tout simplement et le scénario reste toujours autant bien quoi, c'est vraiment énorme, c'est vraiment plein de Quelque chose a rebondissements, plein de explosé lieux dans à le placard découvrir au et moment tout. où j'ouvrais. En plus c'est comme vous pouvez le voir, c'est tout est en 2D, donc c'est vraiment très très joli quoi. Bah, ça n'a pas Ce cylindre les en qualités or. graphiques d'un Runaway, si vous connaissez Runaway qui est dans le même enfin, qui est un La point and culotte de click Nico va me également, protéger pour prendre le donc c'est pas cylindre. aussi fin parce que bah, c'est beaucoup plus vieux. Et donc, mais ça ne perd vraiment pas de son charme. Alors, ils ont pas touché au graphisme. Graphiquement, c'est vraiment identique à la version PlayStation et PC de l'époque. Alors, j'ai pris le cylindre. Alors, parce que je parle en même temps, du coup, je fais pas réellement gaffe. Parce que je joue en même temps, en fait. Hop. Alors, le cylindre, tac. On va le mettre. Bah, là, je spoil légèrement le début de l'histoire. Alors, la durée de vie, on peut l'estimer d'ailleurs entre 8 et 10 heures. Le cylindre Sachant qu'il y a émet des un énigmes faible où vous risquez chuintement justement lorsque la bombe de s'ouvre. galérer quand même. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont pas évidentes. Notamment vers la fin du jeu. Et voilà un extincteur en parfait Et état de voilà mon marche. petit extincteur. Hop, on va l'utiliser sur les flammes et se sortir de cette mélasse. Et donc, ouais, ça va l'amener vraiment de partout à travers le monde et... En Vous allez visant pouvoir adroitement sur le découvrir point de des lieux ferrage, vraiment notre magnifiques. Tout valeureux ça, héros le scénario triomphe est une fois de dantesque, tout plus. simplement. Bon. Et si je cherchais Nico Et maintenant? maintenant, on doit aller chercher Nico. Alors, on va ouvrir la porte. Cette poignée est Mais brûlante. cette Aux grands poignée, mots, les cette grands poignée est remèdes. brûlante. Et hop, on ne l'arrête pas. Je suis sûr, au fond de lui, il a toujours rêvé de faire ça. Alors sinon, dans la manière de la structure du scénario, ça reprend les mêmes principes que le 1. Donc toujours en mélangeant un côté historique et mythique. Quelqu'un a découpé et plié cet article. Ben, je suis vraiment pas trop Il trop parle fan d'une de prochaine ces petits éclipse solaire. cadres. Malheureusement, elle ne sera pas Ben, visible ça longtemps. gâche en Je vous rien, remercie donc pour pouvoir mieux voir cette éclipse. bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais en fait, c'est le design que j'aime pas trop.
Mais heureusement qu'ils n'ont pas retouché aux cinématiques de l'époque, tout ça. Ah, ça aurait été un sacrilège. C'est la coupure de presse annonçant l'éclipse. Il y a un autre bout de papier collé. Comme vous pouvez le constater, il faut pas hésiter à observer un petit peu les objets qu'on a déjà trouvés. Car t'entends, il y a des petites choses cachées comme ça. À Marseille. Alors il faut, ça peut nous, on peut rester bloqué bêtement alors que la solution est vraiment au bout de notre nez quoi. Contient une clé. Ce serait dommage, ce serait casser un peu l'expérience. Ce téléphone à Paris, je n'ai... Ah oui, alors... Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà? Je suppose que j'essaierai voilà. De voler si je lis ce mot, mais ça va peut-être me donner un indice sur la disparition de Nico. Il vient d'André Lobino, l'étudiant en histoire. Alors on va beaucoup recroiser des personnages qu'on avait vus dans le 1. Game of Sentimental. Mais sincèrement, si vous commencez par le 2, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez commencer par celui-là. Vous ne serez pas perdu. Mais je ne crois pas que ce minable soit vraiment dans la course. Voilà, j'attendais qu'il finisse de parler, ce sera plus audible. Donc voilà, vous avez vraiment pas besoin de faire le 1 en premier pour pouvoir jouer au 2. C'est ça qui est bien. Même si, bien sûr, en ayant joué au 1, vous comprendrez plus les... Enfin, même... comprendrez plus, pardon, tout court, certains petits clins d'œil, tout ça. Donc, bon, vaut mieux faire le 1 en premier, mais c'est vraiment pas une obligation. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, j'ai contacté un ami, Lobino, qui lui fait la cour à Nico, Nicole Collard. Moment, je ne sais pas où aller. Il y a peut-être quelque chose dans la maison qui m'indique. J'ai pas appelé. Même si je ne l'aime pas. Il me semblait que j'avais fait. Donc on doit retrouver Nicole Collard. Et donc cet ami, là, André Lobino, est amoureux de Nicole aussi. Du coup, ça crée des rivalités entre Georges. Qui est à l'appareil? C'est Josh Stobart, le petit ami de voilà. Nico. Tu veux dire ouais. Écoute, je ne t'ai pas. C'est assez explicite sans que j'ai besoin de parler. Pourquoi refuses-tu d'admettre qu'elle ne s'intéresse plus à toi? Non, écoute, il faut qu'on parle. La vie de Nico en dépend. C'est bon. Tu te souviens du café à Montfaucon? Évidemment. Alors, ce café-là, c'est un lieu qu'on avait déjà pu découvrir dans le 1. J'ai une envie incongrue de me laver l'oreille. Voilà, allez, on va aller sur la place de Montfaucon. Rencontrer Lobino ne m'enchante guère. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, alors attendez, il faut que je me souvienne de son nom. Voilà, c'est Emmanuel Curtil, pardon, qui fait la voix de Georges Stobart. Son nom vous dira sans doute rien, alors que son nom, en fait, cette voix est assez célèbre, puisque c'est notamment la voix de Chandler dans Friends. C'est également la voix de Jim Carrey, donc c'est une voix assez connue. Et c'est lui qui double notre ami Georges. On va parler au monsieur, et on va pas tarder à se quitter là. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Le jour où j'ai trouvé les catacombes, vous étiez là. C'est vrai? Ah oui, je me souviens de vous. Alors vous travaillez toujours pour les forces de l'ordre? Ah non, plus maintenant. Je suis libre comme l'air désormais. Bon, qu'est-ce qui vous ramène à Paris? Là vous voyez un petit choix de réponse. Alors c'est elle, Nicole, et là c'est Lobino. Alors on va choisir, ça dépend. Ça peut influer parfois sur les conversations. Amie. Bon pas de beaucoup, mais ça change un petit peu, c'est assez marrant. Alors sachant qu'il y a un petit humour qui est toujours omniprésent. Et c'est un humour qui fait toujours mouche en fait. C'est un petit humour marrant. Toujours dans des petites situations incongrues, donc ça c'est drôle. Vous connaissez un certain professeur Houbier? Non, monsieur. Ce nom ne me dit rien. Je crois que c'est un spécialiste de l'art et de la culture maya. Ça, c'est pas franchement ma spécialité, monsieur. S'il s'agissait d'un tueur en série ou d'un pervers, là, je pourrais sans doute vous aider. Donc voilà. Alors sur ce, les amis, ben on va se quitter là. Donc ce sera une vidéo assez courte, mais j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce titre qui franchement en veut le coup. Et c'est un titre qui avait vraiment bercé mon enfance sur PlayStation à l'époque.
un jeu vraiment énorme, une aventure énorme, des graphismes énormes, tout simplement. Bravo à Revolution Software pour ce magnifique jeu. Et donc sur ce les amis, je vous dis à bientôt et peut-être à un épisode 2 de Retro Gaming. Allez, ciao ciao les amis.